Aujourd'hui, avec le dernier voyageur, nous allons aborder les particularités de la cartographie marine et découvrir quelques outils utilisés par les navigateurs pour tracer leur route sur les mers. Alors, bienvenue sur l'eau. Avant d'étudier les instruments des marins, expliquons deux unités employées sur les océans. En navigation, pour mesurer une distance, nous utilisons le mille. Cette unité est directement déduite des dimensions physiques de la Terre et met en relation le système de coordonnées en degrés, minutes et secondes que nous avons vu dans une vidéo précédente avec les distances sur le globe. Nous savons que nous pouvons diviser un angle en degrés, puis diviser à leur tour chaque degré en 60 minutes. Le mille marin, qui peut également être appelé simplement nautique, est la longueur de l'arc d'une minute d'angle sur l'équateur. Une autre solution consiste à mesurer cette minute d'angle à une latitude précise sur un méridien, mais l'essentiel est de retenir qu'un mille vaut 1852 mètres. À partir de cette unité de distance, nous déduisons directement une unité de vitesse qui est le nœud. Un nœud correspond à un mille marin parcouru en une heure. Si un bateau se déplace à 8 nœuds, cela veut dire qu'il franchit 8 milles marins en une heure, ou qu'il a une vitesse d'environ 15 km par heure. Maintenant que nous connaissons le vocabulaire employé par les marins, nous allons voir deux outils importants en navigation. Pour tracer une route ou relever un cap sur les cartes marines, nous utilisons la règle CRA, du nom de son inventeur français, officier de marine, né à la fin du 19e siècle. C'est une règle rectangulaire, en plastique transparent, sur laquelle sont gravés deux demi-rapporteurs divisés en degrés. Chaque demi-rapporteur comporte deux graduations. Sur l'échelle extérieure, les chiffres sont perpendiculaires au rayon du rapporteur, alors qu'à l'intérieur, ils se placent sur leur trajectoire. Un petit cercle indique le centre de chaque rapporteur. Au milieu de la règle, une flèche montre le sens du déplacement ou la direction d'un relèvement. Voici comment utiliser la règle. Nous sommes au point A et nous voulons faire route au 120. Maintenons un crayon sur notre position, puis posons la règle sur la carte, la flèche dans le sens général de notre déplacement. Appuyons la règle sur notre crayon et plaçons le centre le plus sud d'un des rapporteurs sur un méridien ou un parallèle. Nous pouvons lire le cap sur la demi-circonférence qui présente le nombre droit pour notre œil. Ici, le cap 90, mais nous voulons suivre le cap 120. Nous faisons donc glisser la règle sur le crayon tout en maintenant le centre du demi-rapporteur sur le méridien jusqu'à ce que la graduation 120 soit aussi sur le méridien. Nous pouvons maintenant tracer notre route au cap 120. Sur les mers, nous appelons compas tous les systèmes comparables à la boussole. Cependant, la façon de lire la direction est différente. Si nous regardons généralement la boussole de dessus, un compas se lit habituellement de face et il est intégré au bateau.
Pour les relevés de position par rapport au bateau, nous employons un outil très utile, le compas de relèvement. Cet instrument, qui tient dans la poche, est une boussole à double rose des vents sur laquelle est ajouté un prisme et une ligne de visée, ce qui permet une lecture à l'horizontale. Voyons comment l'utiliser avec un exemple. Nous sommes à bord de notre bateau et nous voulons connaître la direction de la pointe de rocher à bâbord. Il suffit de porter le compas de relèvement au niveau de l'œil et de lire la direction affichée. En pivotant avec l'instrument, nous pouvons lire plusieurs directions de points remarquables sur la côte. Ces points que nous appelons des amers nous serviront par la suite à nous positionner sur la carte. Pour conclure cette vidéo, nous allons réaliser la première partie d'une navigation complète. Au cours de la préparation, nous tracerons notre route, nous mesurerons les distances importantes, puis nous estimerons les temps de passage au point de virement pour conclure avec notre heure estimée d'arrivée. Nous sommes dans l'archipel des îles Canaries, en Atlantique, au large des côtes marocaines. Notre bateau est amarré dans le port de Santa Cruz de la Palme et nous prévoyons une navigation vers l'île de Gran Canaria avec une arrivée au port de La Luz. Notre route passera entre la Gomera et Tenerife, puis nous remonterons vers le nord-est pour aborder Gran Canaria par le nord. Enfin, nous contournerons la pointe de la Isleta pour redescendre au sud et venir nous reposer au port de La Luz. Notre navigation comporte trois tronçons principaux que nous allons mesurer. Pour réaliser la mesure la plus juste, nous devons prendre notre échelle avec notre compas à pointe sèche sur le méridien à droite ou à gauche sur notre carte à la hauteur moyenne de notre navigation. Pour mesurer de longs trajets, l'écartement du compas peut être de plusieurs milles. Ensuite, nous reportons sur la carte l'écartement pour mesurer la distance. Pour nous, l'écartement pour mesurer le premier tronçon est de 10 milles. Nous constatons que le dernier report dépasse notre point de changement de direction. Ce n'est pas grave. Il suffit de réduire l'écartement du compas et de reporter sur l'échelle pour connaître la valeur exacte. La longueur du tronçon vaut la somme des valeurs entières auxquelles nous ajoutons la dernière valeur, soit, dans notre cas, 74 000 marins. Faisons de même avec les deux autres étapes. Notre bateau avance en moyenne à 7 nœuds. Nous pouvons, avec cette vitesse, calculer le temps de passage au point de virement. Il faudra environ 10h30 pour parcourir le premier tronçon, 10h15 pour le second et 1h45 pour le troisième. Soit une navigation totale de 22h30. Si nous appareillons à 10h du matin, nous arriverons à destination vers 8h30 le lendemain matin.
ce qui permet une approche de jour pour plus de sécurité. Cette vidéo est terminée. Ne ratez pas la suite de notre navigation et en attendant, pratiquez l'utilisation de la règle CRA pour devenir un vrai marin. À bientôt avec le dernier voyageur, près de chez vous ou à l'autre bout du monde.